c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois. Puis je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais. D'elle et de mes amis, plus une trace. D'autres gens, d'autres maisons ont volé leur place. Là où vivaient des arbres, maintenant la ville est là. Une nouvelle recette que je viens juste d'inventer qui m'a donné en fait envie de faire un vlog, parce que ça fait un moment que j'avais envie de revenir sur YouTube mais j'étais pas encore prête. Voilà, donc ça c'est un burger que j'ai nommé double face. Je trouve qu'il me correspond très bien. Cette pauvrette est oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Après vous pouvez le poser comme vous voulez. Je pense qu'on va respecter le rouge et le vert. Voilà. Donc c'est un steak de soja bien gras et un burger sucré et bien gras. Parce que c'est sucré ce pain et ça, c'est ça qui est bon, qui donne envie de manger. Et puisque je suis une personne sévèrement dénutrie, beaucoup moins qu'il y a un an, mais j'ai quand même toujours énormément besoin de calories avec mon petit estomac fragile je commence à trop me justifier, je vais m'arrêter. Bon voilà, donc c'est un burger et il faudra que je fasse des efforts parce que la vidéo va être longue sinon en fait, parce que j'ai tendance à trop parler. Et donc voilà, donc j'avais envie de mettre des tomates aussi, des rondelles de tomates, c'est bien meilleur. J'ai complètement oublié de mettre les courgettes. J'ai des courgettes cuites à finir en fait, je sais pas ce que ça va donner mais je pense que ça va être pas mal. Mais généralement je mets des petites tomates mais j'en ai pas en fait, il faut que j'aille faire les courses. Je pense qu'à seul ça va me suffire, sinon j'en ai un deuxième, il n'y a pas de souci. Bon voilà, c'est pas très esthétique pour ma petite table à manger parce que j'ai pas de table chez moi, je vis dans un studio donc c'est super petit. Sinon, ouais c'est le bordel là-bas mais ça pourrait être ma table à manger en fait là-bas. Mais le problème c'est que j'ai pas envie de m'épuiser, je veux garder au maximum mon énergie pour faire autre chose, pour faire du piano, pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, pour promener mes chiens. Je sais ce que ça me prend au niveau de l'énergie vu que je suis dénutrie, donc je suis pas totalement au top du top. Donc voilà, mais j'en fais quand même des choses. Hein. En fait, j'ai même fait ma déco. Voilà, ma déco, c'est mon petit cocon en fait. Hein. C'est le bazar, mais je vous montrerai un avant après de toute façon. Mais là, c'est des vêtements encore que je vais donner à la Croix-Rouge, donc je les mets dans le sac. Et voilà, c'est mon petit chez moi. Enfin, ça m'apaise en fait, je suis émerveillée, je suis comme une enfant, complètement émerveillée. Ça me fait du bien, je me sens
dans un nouveau chez moi, j'avais ce besoin de tourner la page en fait avec mon passé. Voilà, avec l'autre moi en fait. Bon voilà, j'ai pas fait ce burger pour rester j'ai pas fait ce burger pour rester dans ce cercle vicieux hein, des troubles de la personnalité. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. Voilà, j'ai rajouté la courgette. Alors je vais goûter comme ça, j'ai pas rajouté de tomate parce que ça a l'air très humide quand même. C'est mieux. Ça me va très bien. Avec les tomates en plus, ça serait pas mal aussi. Bon, mais je vous laisse. Je vais manger tranquillement. J'ai trop faim. À tout de suite. J'ai envie de dormir. Fatiguée. Je suis fatiguée. Après. J'ai peur. Je digère. J'ai trop resté debout. Je suis en train de boire mon eau en faisant mes leçons d'anglais. Ho attraversato mille confini e sono qua da solo io. Tu sei diversa, apparri bella, hai ormai tu un'altra età. Persino il taglio dei capelli trova un tono in più per me, qualcosa di più. Adesso sì, domani no, decidi tu o morirò. Il fuoco è spento, l'hai spento tu. Ora il tuo corpo non mi cerca più. Un gioco amaro ho dentro io. L'amore tuo è quello mio. E non t'en pas ce que je dis. Et ça va dans ma main s'endort. Je voudrais être ce pays où elle s'en va chercher encore. Dans le miroir de son passé, ce rêve qui s'était brisé un soir d'été. Oh,
cerca più un gioco amaro dentro io. L'amore tuo è quello mio. Domani no, decidi tu o morirò. Il fuoco è spento, l'hai spento tu. Ora il tuo corpo non mi cerca più. Un gioco amaro dentro io. L'amore tuo è quello mio. Ti amo. Io ti amo. Ti amo. Bon, ben ce soir, j'ai pas faim. Je vais attendre un peu, là, il est 23h, et vu que j'ai des horaires un peu trop retardés en ce moment, je me couche vers 1h, 1h du matin ou un peu plus même. Alors, allez, je m'endors vers 2h du matin, je sais pas. Là, ça, c'est pas bien. Ça fait 2 jours que là, je suis un peu trop en retard, un peu en retard avec les horaires. Et là, j'ai mangé gras ce matin, donc je m'attendais un petit peu à avoir moins faim, et c'est pas bien. Donc, je vais remanger, demain, je vais remanger comme hier. Donc le matin sans gras et voilà. Et le midi ce sera glucides avec légumineuses. Et puis le soir je vais manger gras. Voilà. Bon, peut-être que demain midi je mangerai un peu gras au dessert, hein, c'est possible, le yaourt soja par exemple, si j'ai encore faim. Mais voilà. Donc j'étais beaucoup mieux hier. Demain je vais peut-être le ressentir, la différence. Je sais pas, je verrai, mais. Voilà, je manque un peu de sucre quand même, un peu de glucides, hein, je le ressens. Je suis un peu trop relâchée sur les chips un peu tôt dans la journée, quoi. En après-midi, c'est un peu tôt. Bon, voilà. Donc, ce soir, j'ai envie de sucrer, là, en fait. Je sens que j'ai besoin de glucides et de sucre. Donc, je sais pas ce que je vais manger ce soir, mais je vais voir. Bon, là, je refais un peu de piano parce que tout à l'heure, bah, c'était naze. Bon, je trouve que c'est pas aussi parfait que l'original, hein, n'est-ce pas? Mais après 30 heures de piano, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Et puis parfois je peux la faire mieux, là c'est que je suis enregistrée, je suis fatiguée, je commence à avoir envie de dormir aussi. Donc ça va. Puis je faisais aussi, je l'ai pas fait jusque là en fermant les yeux, enfin sans regarder les notes, alors que j'ai arrivé le premier extrait au début. Voilà, sinon... Je peux le faire en accéléré quand j'ai le cerveau qui tourne très bien. Mais c'est moche, en accéléré, c'est juste pour m'entraîner à jouer vite, voilà. Pour me relever des défis. Mais l'original est très belle, hein, voilà. C'est pas parfait, parfait, de ouf, hein. Mais je suis quand même très contente de moi, voilà, et il faut que je fasse la suite. Mais je me dis quand même qu'il faudrait que je fasse plus de répètes avant de continuer la suite, quand même. Voilà, je m'embête un petit peu dans le bain. Et puis voilà. Bon, ben je vous laisse. Bisous, à la prochaine. Tu
m'as fait faire ce qu'il fallait pas. Pour voir dire que je t'aimais pas. T'étais dans ce sale état. T'as raconté la main du mois. David dit c'est le méchant, le mec papier dans cette histoire. Pourquoi tu te vois la face, j'ai l'impression que t'as deux vis. Si tu m'aimes demain, on sera deux stars. 70-80 qui se cachent leur gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs. Sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris. La semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision, ils passeront nos chansons, fausse poésie. On sera peut-être des